Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode et ce deuxième épisode surtout sur la nouvelle mise à jour de Starbound, donc Pleased Giraffe. Donc, nous devions dans le précédent épisode construire un four, chers amis, donc on va essayer de s'en faire un. Cabin roofing, oh. Oui, vous voyez, donc moi je retrouve juste directement comme ça en la suite. Je me suis pas plus spoilé que ça. Je vérifie quand même si je suis un petit peu. Wooden watering can, oui, bien sûr. Bon. Four. Alors. Le four est dans les meubles maintenant. Ok. Cet appareil semble pratique. Mais ils sont pas pouvoir être posés au premier rang de... Bon bah tant pis. Bon, on ira le stocker, chers amis. Hop, ici. Iron. Je peux en faire... 20. C'est parti. Ah ah. L'iron en ville. Hop, parfait. Parfait. L'iron en ville, il faut la faire ici. Copper gear block. Ouh. Copper fence. Wouah. Bon, par contre, alors, copper roof. Copper windows, pourquoi pas, mais copper roof, peut-être pas exagéré. Enfin bon, pourquoi pas. Iron en ville, on va prendre ça comme ça, voilà. Copper oil lantern. Ah, s'il y a quelques petites nouveautés quand même, sont assez sympathiques. Je veux bien le reconnaître. Je veux bien le reconnaître. C'est parti. Là, il nous demande des core fragments. Il faudra aller chercher comme d'habitude au centre de la Terre, chers amis. Alors, on a quelques armes aussi. 10 putties. 3, 5, 8. Et 2, 10. Parfait, on peut se faire l'armure complète. Voilà. Alors, ce pistolet que j'ai là, il faisait 5, 1, 75, 3, 9. Bon, celui-là aurait été clairement plus utile. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. Hop. Et hop. Ah non, non, non. Pour le coup, faut que je la mette en entier l'armure. Alors, profitons de tout ça. Hop. Parfait, parfait et parfait. C'est génial. Bon. On va descendre un petit peu. Retour sur cette petite planète sympathique. Et donc, je pense qu'on va aller dans un trou. Pas un trou que j'ai creusé. Voilà. Merci pour tes pixels, l'ami. On va reprendre notre épée. Un petit bout de viande. Toujours sympathique. Alors là, on a un petit peu de charbon. Ce n'est pas la chose qui nous intéresse. Dirons-nous tout simplement. Alors. Casser un peu le plafond. On puisse passer quand même. Parfait. Charbon, charbon, charbon. Coffre. On va prendre cette petite liane pour pouvoir couper au-dessus. Un petit peu en dessous, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Necrolix Talonblade. Ok,
Comme c'est une short sword, je peux la mettre en deuxième arme. Et je vais prendre le coffre. Peut-être m'amuser à mettre quand même des torches avant. Que je puisse comprendre d'où je viens. Wouhou! Coucher. Parfait. Alors on remonte, mais on redescend. Non, on redescend pas suffisamment. Eh ben écoutez, on va passer par la droite. Voilà, là ça descend. Même drôlement abrupt. Oui, je crois que le terme drôlement abrupt était bien choisi. Alors. Voilà. On va se remettre au centre. Crac. Crac. Je veux du fer. Et du cuivre. Hop. Donc ils font assez mal, je dois le reconnaître. Hop. Donc je vais quand même aller au fond, chers amis. Je vais pas remonter parce que j'ai trouvé du fer pour une arme. Je vais pas faire les choses à moitié. Qui m'inquiète plus, c'est le fait qu'on n'y voit rien. Ah, c'est de la flotte. Ah. Oh, intéressant tout ça. Hop, je récupère juste ça. Ah. J'ai une fusée éclairante, chers amis. Intéressant tout ça. Oh là, j'entends la flotte. Donc pour peu qu'on soit pas trop loin de la surface, c'est correct. Semblait en être un peu plus loin. Après c'est peut-être la réverb dans les cavernes, mais bon. Hop. Voyons voir. Alors. Parfait. Alors. Comment je ressors? Voyons voir. Une torche là. Hop. Voilà, ça devrait être suffisant. Oula, ça je m'y attendais pas. Mais c'est toujours agréable. Oula, je me trompe de touche, Juste pour voir si je refais craft, ça m'arrête dans les X, d'accord. Ok, c'est pas ce que je voulais faire non plus, je suis pas bon. Alors j'espère que ça va au niveau de l'enregistrement. Des fois il suffit de pas grand chose pour perdre justement, bah... l'image.
Alors, téléporteur corps, intéressant. Je vais attendre avant de le prendre. Matter module component, ouais. C'est quoi ce truc? Diamond, ah bon d'accord, ok, bon bah écoutez, on n'y est pas encore. Hop, parfait, c'était efficace. Et du coup, on va reprendre par là. Alors. Hop. Voilà. Oula, alors attendez, voilà. Bon. Malgré tout, ça se passe assez bien, chers amis, on va pas s'en plaindre. Encore une fois, les séances de minage, normalement, étaient un peu mieux, on va bien voir. Hein. On n'est qu'à la première, je suis déjà en train de m'en plaindre, mais il faut que j'arrête. Ah! Alors. Bonjour, que la lumière soit. T'es sérieux? Un diamant? Bon. On va aller le chercher. Trois diamants. Bon. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Par contre, je vais mettre du temps à les caser, non? Non, ça va. Bon, bah, trois diamants, chers amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une histoire qui commence bien. Qui va me cracher lui. Putain, je crois qu'il allait me cracher des flammes ou un truc dans le genre. Non, apparemment rien. Un petit peu de fer. On va s'empresser de prendre. Voilà. Ok. Ça passe malgré tout assez bien quand même. Faut pas dire que ça se passe mal. C'est faux. Quantité de cuivre ici intéressante. Alors je n'aime pas casser le fond, vous le savez. Il y en a certains que ça dérange pas, bon bah écoutez. Alors, cul-de-sac. Creusons notre propre voie, chers amis. Ok.
Alors je sais pas si c'est plus rapide. On verra bien. Hein. Hop. Bon, un petit peu de lumière. On trouve plus grand chose là pour le coup, chers amis. Alors. Un petit peu de caillou, forcément. Est-ce que ça mène quelque part ce caillou? Parce que si c'est trop long. Je tourne à gauche. Je tourne à gauche. Il y en a un petit peu moins. Ce sera forcément mieux. Hop. Encore un petit peu de cailloux, malheureusement. Aïe aïe aïe. Un petit peu de fer. Et puis aucun moyen de se dire que ça va être mieux d'ici quelques cubes. Bon, on va reprendre la descente. Hop. Faut que je mette des torches parce que sinon, ça va pas le faire. T'en as fait que ça, quoi. C'est la bataille pour aller dans les entrées de la planète, quoi. Allez, creuse. Dans la mine. Putain, j'ai aucun espoir de voir si j'atterris dans un trou ou pas, quoi. Aha! Aha! Oui! Oui, chers amis! Dégage! Hop! Une grotte, pardon, je me suis trompé. En même temps, si je les appelle comme ça, tu m'étonnes qu'elles veulent pas venir me voir. Oula. Ça va. J'ai connu pire. Peu de charbon, justement, je suis en train d'y penser. Juste pour information, combien de torches je peux faire actuellement? 40, parfait.
Wouhou. Vous m'avez fait peur, les mecs. Un matter module component, génial. Et un super méga endroit of the dead. Ok. Pourquoi pas. Un petit peu plus de d'iron. Oula. De copper et de maïs. J'ai failli me planter. Hop, ça je prends. La couchette, avant de la prendre, je vais m'y coucher. Oula, y a pas de sensor aid là. C'est pas censuré tout ça, chers amis. Pas me montrer à walper quand même. Qu'est-ce qu'on a là? Quelques bandages, ça c'est toujours intéressant. Vous savez quoi, on va faire ça comme ça. Hop. Bon, rien de bien énormément intéressant. On va se reposer dans le lit un petit peu quand même. Et moi je pense, les amis, que j'en profite pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et vous inviter à revenir dans un prochain épisode. Donc merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager. Si vous souhaitez suivre l'aventure donc sur la chaîne ou les autres aventures et ou les autres aventures que je vous propose sur la chaîne, je vous invite aussi donc à vous abonner tout simplement. Quant à moi, une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.